Hello les amis, comment allez-vous? Moi ça va un peu mieux déjà. Et on se retrouve sur WWE 2K15. On est à Bad Blood, à l'arena Bad Blood, pour un match qui opposait tout simplement Sting à The Ultimate Warrior. Et c'est un match qui m'a été proposé par... Attendez, je retrouve le nom. Bon non, ouais, je suis encore un peu malade les gars, je vous l'avoue bien. Mais ça va déjà un peu mieux. Enfin, je me sens mieux à l'intérieur de moi, hein, c'est ce que je veux dire par là, bien évidemment, les amis. Elle est où cette putain de liste? À chaque fois, les gars, à chaque fois, je perds la liste avec tous les matchs qui m'étaient proposés. Et du coup, au mieux que ça, je prenne la liste avant de tourner la vidéo, ce qui paraît logique, hein, bah moi, je le fais pendant. Et pendant, des fois, la feuille, elle est sur le côté, tu vois, et là, elle disparaît. Elle devient en dessous du meuble, tu sais pas comment. Et après, hop, en dessous du meuble, elle disparaît. Et des fois, et bah, je prends des minutes avant de la trouver. Hein, c'est pour ça, des fois, c'est un peu long. Et là... Résultat, ah bah oui, c'est moi, elle est là. Voilà, tu vois, là, j'ai trouvé. C'est parce que là, j'ai trouvé. C'est pour ça. Donc, ce match m'a été proposé par Maxime Borg. Et donc, c'est un table. Non, c'est pas un tables match, les gars. C'est un quoi, déjà? Je crois que c'est un Extreme Rules match. Il me semble. Non, c'est un ladder match, les amis, autant pour moi. C'est un ladder match, il faut tout simplement aller décrocher la mallette qui est au-dessus de ce ring, qui est tout simplement accrochée. C'est ouf quand même, hein. Parce que j'ai choisi les personnages et tout, l'arena et tout, juste avant. Donc, parce que là, je tourne la vidéo, donc juste avant. Et je me souviens un peu de l'arène, de la stipulation que j'ai mis. Tu vois ce que je veux dire? C'est ouf quand même, hein. C'est chelou. Donc voilà, Sting et The Ultimate Warrior sont dans le ring. Deux grandes légendes de la WWE vont s'affronter, et pas des moindres, vu qu'ils vont s'affronter dans un ladder match. Et mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour ce match, les amis? Et je contrôle notre ami Sting pour ce match. C'est parti, l'arbitre. Attention, et tiens, voilà, tu restes tranquille. Et voilà, prends-toi ça. Ultimate Warrior est plutôt bien fait, hein. Moi j'aime bien. Moi Sting, je l'ai mis en tenue jaune. Je l'ai pas mis en tenue noire parce que tenue noire, je la trouve un peu dark. Atomic doit parfaitement exécuter. Et tiens, attention, Chop, c'est contré. C'est ça, balance-moi sur ça. Y a pas de respect. MDR. Je peux pas rigoler. Belly to belly suplex. Oh my god. Voilà, ça commence très mal. On va récupérer ça. Et tiens. Non, merde, mais comme par hasard, mais mec, non, viens là. Non, attends, on va chercher ça. Voilà, viens là, bébé. Bébé. Et prends-toi ça, on se calme, là. Tiens, mange ma cloche. Voilà, jamais tu verras un mec frapper un mec avec une cloche. Mes spécialités, hein, voilà. Attention. Putain, plus la... la cloche, la chope chelou, hein. Vraiment chelou. Tiens. Putain de merde, bordel. Attention, et le bon. Parfaitement exécuté par Monsieur Warrior. D'ailleurs, le mec s'appelait Ultimate Warrior, quoi. Ultimate Warrior. T'imagines, Ultimate, c'est son prénom et Warrior, son famille. T'imagines en cours, Monsieur Warrior, comment ça va aujourd'hui? Bien et vous, monsieur? Tu vois ce que je veux dire? C'est classe quand même, Monsieur Warrior. Le respect, tout est dans le nom de famille, tu vois. Voilà, calme-toi. Il est trop excité, Monsieur Warrior. Et tiens, l'homme, putain, je me suis cassé le genou, là. Enfin, le genou, non seulement le genou, mais en plus, le bras. On va dire, tiens, dégage de là. Attention, le springboard splash, parfaitement exécuté. Ah, putain, attention, et le pot. Regardez-moi cette magnifique descente du coude, encore une fois, portée par The Ultimate Warrior. C'est contre le chop, et la belly to belly, souplex, parfaitement exécuté. Ça utilise pas mal les échelles de mon côté, hein. On va ramener une échelle maintenant, directement dans le ring, vu que c'est un peu le but. Putain, mais c'est quoi cette échelle qui se... Oh, putain. Et ce match, il est ouf. Ce match, il est ouf. C'est un grand match extrême entre les deux hommes. Il me relève. Attention, qu'est-ce qui se passe? Tu te calmes, tu vas là-bas. Ah, voilà, il me saoule un peu, beaucoup. À la folie, énormément. Et qu'est-ce qu'il y a après énormément? Bah, il y a la folie. Je sais plus ce que je dis, moi. Vous avez vu, ils sont tous les deux tatoués. On a fait un match avec deux superstars tatoués. C'est pas mal, hein, ça change, hein. J'aime bien les gens qui sont tatoués, moi. J'aime pas les gens qui sont pas tatoués. Franchement, les gens qui sont pas tatoués, ils sont inutiles, ça, dans la vie. Voilà, moi, je suis pas tatoué. Ah ouais, merde. Qu'est-ce que je viens de dire, là? Ouais, moi je suis pas tatoué, moi j'ai des tatouages mais enfouis en moi, tu vois. Tatouages à l'intérieur de moi, donc je me sens
Bon, voilà, vous avez compris ou pas forcément. Et tiens, oh, magnifique spring, bad cross body. Parfaitement exécuté par Sting. Allez, on va retourner directement. On va prendre ça, voilà. Escalier en acier dans ta gueule, ma petite gueule. Et voilà, ça, c'est fait. On n'en parle plus. Et Paul va là-bas, toi, voilà. En fin de compte, j'ai du mal à faire le commentaire. Je pensais que j'allais un peu mieux. En fin de compte, j'ai toujours aussi mal. Hein. Il y a quand même des petits... Je tousse quand même un peu moins. Hein, il y a des petits changements, mais vraiment légèrement. Là, j'ai vraiment hâte de récupérer ma voix. Je vous jure que le commentaire, quand j'aurai récupéré ma voix, non seulement il sera 100 fois mieux, mais en plus, comment j'ai pété des câbles, laissé tomber. Ah, franchement, déjà, quand je tourne pas de vidéo pendant une semaine, ça me saoule. Mais là, mais MDR, il a volé, je me suis même pas rendu compte. Attention, on va ramener ça aussi dans le ring. Voilà, là, c'est le gros bordel dans le ring. Il manque ça encore à ramener, là. On va se calmer, hein. Attends, putain, mais merde, vite, vite, vite. Attends, faut que je me dépêche. On se calme, attention, mon dieu, l'échelle juste derrière, mon dieu. Oh my god, le Ultimate Warrior qui vient complètement de se faire défoncer, dégager. Alors, monsieur Warrior, fais-moi le malin, là. Là, t'es tombé contre un gros kangourou du monde entier. Moi, je suis un kangourou mélangé, je suis milou, mi-kangourou. Je suis un kangoulou, quoi. Un kangoulou. Il y a des gens kangous, il y a des gens qui ressemblent à des loups. Il y en a, ils ont une gueule un peu loup. Il y en a, ils ont une gueule un peu renard. Bah moi, je suis un loup-renard. Renard-loup, tu vois. Moi, des fois, dans ma vie, on m'appelle renard-loup. Ouais, le renard-loup. Moi, je dis, ouais, je bien ou quoi. C'est moi le renard-loup. J'en suis fier. MDR, allez, attention. Putain, merde. Attends, on va choper. Attention. On prend le petit alors projection dans le coin. Et on arrive. Coup de la corde à linge. Parfaitement exécuté. Tiens, la leg. Doigt parfaitement exécuté. Alors, attends, on va le relever. Non, calme-toi. Attention, les parties. La power slam. On s'est contré. Ultimate Warrior. Attention, le top stop. Pie driver. Il est fou, ce mec. Eh, faut te calmer avec ta tête, avec tes gros cheveux, là. Attention. Non, je voulais pas te vexer. Non, attention, mon dieu. Sidewalk slam directement sur le ciel. Je voulais pas te vexer. Je suis quelqu'un de gentil, hein. Je suis pas quelqu'un de pas gentil, moi. Je suis quelqu'un de gentil. Attention. Putain, voilà, il a gagné. Ah, mais vas-y, mais... Putain, ce machin, il était trop court. C'est un truc de ouf. Bon, bah, les gars, j'ai perdu. En même temps, il y avait des coups partout. Hein, et franchement, vers la fin, le Thompson Pie Driver et juste après. Bon, c'est vrai que je l'ai un peu provoqué. Mais en même temps, on est amis. Donc, on peut se permettre des petites vannes. On n'est pas amis, Ultimate Warrior. Ah, merde. Pardon. Non, c'est bien, mais je comprends, il n'y a pas de souci. Je comprends que tu aies pu être vexé. En même temps, t'es en slip. Bon, les amis, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Prenez bien soin de vous. À la prochaine. Salut tout le monde. Peace. Tribute to the athletes of the WWE. Having superstars of this caliber put on a performance like they did in this ladder match.